Donc bonjour à tous, c'est Bluetooth 202 FixNation qui vous parle et aujourd'hui nouvelle vidéo sur Holoiso. Alors j'ai fait une vidéo avec Holoiso parce qu'avant l'installation se faisait avec Internet. On avait une attente, il faut attendre pour Internet. Et en plus, Backbone, il n'y a que le terminal, il n'y a que CMD, voilà. Voilà, maintenant tout est mieux. Là, cette fois-ci, c'est plus cool. On a maintenant Holoiso, enfin, Holoiso ne peut faire hors ligne. Je vais vous montrer tout de suite à quel point que c'est bien, ça en tout cas. Donc, on est hors ligne. Tu veux rêver. Maintenant, c'est parti. Je vais utiliser VirtualBox. Je ne vous montre pas ce que j'ai dans la liste, ça sert à rien. Alors. Voilà. Donc, Holoiso, le voilà ici dire. Go, voilà. Je mets Linux. Rachinus 24 bits, c'est normal. Là, Holoiso testament. Testament, ouais, bon, voilà. J'ai pas, ouais. Donc, voilà. Et là, hop, suivant. Alors, mettre les filles, c'est obligatoire. Voilà, 8 Go c'est obligatoire pour moins 16 Go de RAM dans votre ordinateur. Alors, moi d'habitude, je mets 16, mais je mets 4. Voilà pour l'exemple. Ensuite, lance le Steam Deck d'entrée de gamme, c'est 64 Go. Après, la moyenne, c'est 256 et l'autre, c'est 72. Mais bon, mais 64, voilà pour l'exemple. Voilà, suivant. Finish. Et là, vous doutez bien que à partir de là, je mets ça, ok, je mets 3D comme d'habitude, mais là, je mets des ciseaux, je mets des données en haut. Bah non, vu que c'est en ligne, ça sert à rien. J'enlève, voilà. Hop. Et c'est parti, je lance IsoTestam. Voilà. C'est pas grave. Du coup, le voilà. Il est là. Ouais, bon. Ok, attends pour moi. Donc, ça a démarré. Alors, pourquoi il faut au moins 8 Go de RAM? Parce que, bon, même si vous mettez 5120 Go de RAM, ça va pas tenir. Ça va ramer un an. Parce que vous voyez ce que vous voyez là, ici. Est-ce que vous voyez là, ici, là? Là. En fait, il copie le SquashFS, le contenu donc de l'OS vers la RAM. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de RAM requis pour pour démarrer ça, ça va pas être possible de le faire. Ça va être dur. Voilà, pour vous dire. Vas-y. Voilà, maintenant. Mais ça paraît nickel. Voilà. Donc je lance l'installation Eco Presto. Il n'y a pas d'oiseau évidemment, c'est normal. Vous montrer à quel point. Alors vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir Deck Experience si vous avez un vrai PC pas sous VM où ça marche. Mais là, vu que je suis sous VM, évidemment, dégage, j'ai plutôt passé à Backbone parce que, en fait, Steam Deck Experience, c'est juste. C'est parce que, en fait, il démarre des débuts, bien sûr, dès le boot, hein, Gamescope et qui requit terriblement Vulkan et ça marchera pas sous VM. Donc voilà, je vous conseille donc Backbone évidemment pour faire fonctionner ça, voilà. Ouais, tout le bonheur, voilà. Donc je fais suivant, voilà. HDR, voilà. Hop, et disque. Oui. Et voilà, ça vous installe SteamOS, Steam Deck, SteamOS là, et on va attendre, je vais attendre avec vous,
patiemment à partir du fait que ça va être rapide normalement. Ouais, ça va être rapide. Voilà, et voilà. Donc voilà. Donc cette vidéo ne sera pas montée malheureusement parce que là, j'ai la flemme. Je l'uploadais comme ça, quoi. Voilà. Donc déjà d'une, voilà. Donc me dites pas, j'ai pu le monter et tout. On va attendre comme ça. Voilà. Voilà. Non, en fait, on n'y est pas presque encore. Hein. En fait, ça va jusqu'à 8 gigas et quelques, un peu du giga là. Bon, en fait, c'était 9 gigas et là ben, demander le password root, le mot de passe root, en tout cas le mot de passe admin en gros. Voilà, ça va bientôt arriver. Voilà, non, pardon, c'est mot de passe, autant pour moi. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Mot de passe. Voilà.
On y est presque à la fin. Voilà, c'est fini. Maintenant, vous n'avez plus qu'à redémarrer le Steam DeckOS en gros. Voilà. Attends, non, pas ça. Redémarrer, merci. Voilà, boum. Et ça s'arrête pas là, il reste plus de mettre l'addition. Évidemment, j'éjecte l'ISO, je redémarre. Voilà, je démarre SteamOS, SteamDeckOS, comme vous voulez, voilà, dire. Voilà. C'est bon, maintenant ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, dernière étape maintenant, voilà, c'est de mettre maintenant les additions. Parce qu'à présent, eh ben, là vous êtes en, si c'est pas les bonnes additions et ça se flexible même pas, regardez. Voilà. Donc ce que vous devez faire, ça c'est l'addition et c'est dingue parce qu'avec à partir de VirtualBox 7, vous pouvez faire ça, voilà, directement, mais je rigole pas, directement, voilà, ça s'installe tout seul. Alors, ça va bientôt arriver, mais il faut attendre. Hein. Non, j'ai pas à me revoir. Ça va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Parce que je bois aller cliquer, ça fait, et je fais ça, ça ne fait que dalle, quoi, voilà. Et voilà, là c'est bon. Voilà, ça fait quelque chose, parce que maintenant, paf! Directement, c'est fini, voilà. Maintenant, alors même si, après le redémarrage, normalement, ça veut dire la version actuelle, ça. 7.2, 7.2.2 à l'occurrence. Voilà, c'était tout, c'était Bluetooth 202 Effectnation qui vous a parlé. Vous avez pu redémarrer, voilà. Voilà, c'était Bluetooth 202 Effectnation qui vous a parlé. Je vous dis au revoir à la prochaine.